Bonjour, bien-aimé. Donc, rendez-vous à Paris, c'était un pur bonheur. Rendez-vous avec tous les enfants de Dieu pour une nouvelle destinée, pour le déblocage de tout ce que l'ennemi avait mis sur notre vie. Voilà, un pur bonheur. Frère Loge, tu es une bénédiction pour notre vie, une bénédiction pour la nation, une bénédiction pour le monde. Sois énormément béni au nom de Jésus. Amen. Bonjour, j'étais au rendez-vous à Paris du 6 au 9 octobre et c'était une expérience magnifique. C'était mon premier séminaire avec le frère Loge et c'était vraiment fort. L'onction de Dieu était présente. Enfin, j'ai vu encore une fois la puissance de Dieu se manifester. Pour les absents, vous avez eu tort et je vous invite déjà au prochain séminaire. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse et je remercie l'Éternel des armées parce qu'il a une fois de plus montré qu'il est puissant et il m'a béni. Amen. Je voudrais parler vraiment de l'océan des grâces. Le rendez-vous à Paris, c'était une aubaine pour tout un enfant de Dieu. Rendez-vous à Paris, c'est un miracle en fait pour nous. Parce que chaque enfant, chaque Africain, je veux dire, a des alliances. Et c'est par océan des grâces que moi, personnellement, j'ai appris à pouvoir faire une veillée seule. Avec océan des grâces, je suis devenue une guerrière. Et les prières que nous faisons m'ont fait vraiment sortir de la mort. Le plan de l'ennemi a été brisé grâce au frère Eloge qui m'a instruit, qui m'a enseigné. Et son enseignement m'a délivré. Et je bénis le nom du Seigneur parce que océan des grâces, ceux qui n'ont pas encore connu Océan des Grâces, qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment. Parce que je sais, je parle en connaissance de cause. Sans ces prières, je ne serais pas en vie. Mais j'ai toujours la victoire. Dieu est glorieux de par Océan des Grâces. Je vous bénis. Abonnez-vous à Océan des Grâces pour voir les miracles de Dieu. Les bonnes choses sont dans Océan des Grâces. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Mademoiselle Apia Manuela. J'ai été au rendez-vous le samedi et le dimanche, le rendez-vous à Paris avec le prophète Eloge Ekissi. Et c'était un moment très fort, édifiant, pour moi en tout cas spectaculaire, parce que j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la grâce de Dieu et j'ai été remplie du Saint-Esprit. Et j'espère revoir encore, revivre surtout ce moment-là, même si c'est dans un autre pays ou partout dans le monde. J'espère que d'autres aussi pourront profiter de cela. Bonjour mes frères et sœurs, je veux remercier Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. À Paris, je suis heureuse parce que Dieu a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante. J'ai rencontré le prophète Eloge et je peux dire à partir du jour que je l'ai rencontré, le soir même, j'ai eu vraiment
j'ai eu le bonheur. Je peux dire j'ai eu le bonheur parce qu'il y a une paix, j'ai reçu une paix dans ma maison. Une paix, je me suis sentie moi-même très bien. J'ai changé, ma vie a changé. Que Dieu bénisse le prophète Éloge abondamment, infiniment. Et je veux remercier Dieu et je dis merci Seigneur. Je salue tous les enfants de Dieu. On est bénis à Paris parce que quand on s'est rendu à la conférence à Évreux, là-bas, il y avait des prodiges, de miracles, de beaucoup de choses. C'est pour cela que je suis là pour témoigner. On était vraiment bénis. Alors, Paris 2022, pourquoi ? Paris 2022, c'était pour moi un rendez-vous que le Seigneur nous a permis de prendre avec lui-même. C'était un moment de délivrance, de restauration et un moment pour les enfants de Dieu d'adresser leur demande à Dieu. Seigneur, s'il y a une parole qui agit contre moi, brise-la au nom de Jésus. Pour moi, je dirais que les 4 jours de séminaire ont été un succès. Pourquoi ? Parce que les gens étaient satisfaits. Bonjour, je m'appelle Nina. J'étais au rendez-vous à Paris et j'ai vécu des moments magnifiques. J'ai été bénie en abondance et je peux dire que ma vie a complètement changé. J'ai été remplie de la force. J'ai cassé, j'ai brisé, j'ai retrouvé la force, l'énergie, le courage, l'espérance. Et je rends grâce à Dieu et je bénis le frère Eulogique ici. Amen. Je ne définis pas cela comme étant un succès à cause de moi-même, mais à cause des retours que nous avons des enfants de Dieu. Parce que à partir du moment où les gens participent à un séminaire, d'où ils se disent avoir été bénis, on considère que c'est un succès, parce que les gens sont satisfaits. Bonjour, la famille d'Océan des Grâces. Donc, je viens de vivre un bon événement à Paris avec le frère Éloge Ekissi. Je compte encore y retourner si jamais il refait cet événement. Et là, je me suis dit, waouh, le Saint-Esprit m'a visité, c'était très bien. C'était très bien, j'étais vraiment contente, j'étais vraiment heureuse, c'était la joie pour moi. Alors bonjour, moi c'est Dan. Le rendez-vous à Paris, vraiment, il était formidable, super. On a vraiment appris à prier, on est rentré dans la prière. Et on est rentré dans la prière avec une force comme des guerriers. Et je crois que beaucoup de choses ont été réglées. On a pu briser beaucoup de chaînes, faire tomber beaucoup de murs. C'était vraiment formidable. Je crois qu'il faudra revenir, il faut venir. Cette espèce d'énergie, de force de toutes ces personnes qui étaient là et le fait de sentir qu'on est tous les uns avec les autres et emportés comme une espèce de vague dans la prière. Ça, c'était vraiment super. En tout cas, merci. Je remercie le Seigneur pour ce moment qu'on a passé, ces jours qu'on a passé. Merci, merci Jésus, merci Seigneur. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Dadi Wasambelo. Je suis congolaise, je vis à l'Espagne. Et j'étais venue pour participer à la conférence de prière de Papa Éloge Ekissi. Et c'était bien passé. J'aime la prière de délivrance. Et Dieu s'est manifesté. Et c'était bien passé ici, vraiment. Je suis très contente. Je remercie Dieu pour le rendez-vous à Paris. Je suis très, très émue, contente d'avoir vécu ce moment. Et un peu triste parce que vraiment, ça va beaucoup me manquer. Mais je sais que ce n'est pas pour longtemps. Donc c'est pour dire que cet événement était, on ne peut pas dire unique, mais un événement qu'il faut, on souhaite de le vivre même tous les jours. On a vécu vraiment un temps très très important. Et je ne sais pas si je pouvais encore manquer à ce genre d'occasion. Le rendez-vous à Paris, c'est... On demandera à Frère Éloge de venir tous les jours à Paris.
parce qu'on a vécu un moment inoubliable. Inoubliable, et vraiment, on peut dire que on a reçu tout ce qu'on avait demandé. Oui, oui, oui. J'ai reçu des prières, j'ai reçu la délivrance, et je pense que comme pour tout le monde, et on était très bien reçus, très bien accueillis, et c'est, ça mérite vraiment ça, c'est océan de grâce. Durant la prière, on a été visité. On a senti l'Esprit Saint qui a fait son travail. Je n'ai pas reconnu le frère et l'autre. C'est vraiment pas lui. On voyait la présence du Saint-Esprit. On voyait vraiment Dieu à l'œuvre. Ah oui, on a vu Dieu à l'œuvre. Donc, c'était un moment. Il a bien conduit ses enfants et il a fait ce qu'il a prévu. Oh là, j'avais commencé à inviter même pendant le séminaire, j'ai commencé même déjà à dire que vous avez tout raté et la prochaine fois, nous avons même déjà donné des adresses parce que le frère Eloge nous a annoncé qu'il y aura d'autres séminaires ailleurs et on ne manquera pas. Nous avons même déjà presque organisé un groupe. Ah oui. Bonjour, je m'appelle Sophia de Fatima. Je viens de Bruxelles. Je suis venue spécialement à Paris pour ce rendez-vous de 4 jours de prière, de délivrance à Paris avec les frères et Eloge. Parce que je suis venue chercher des délivrances quand il y a pas mal de problèmes dans ma vie. Donc je suis venue chercher la délivrance, la bénédiction du Seigneur. Et ce que je l'ai eu pendant ces 4 jours, c'est un rendez-vous unique. Et la façon où frère Eloge il presse la parole, jusqu'à présent j'ai trouvé personne encore parce qu'il rentre vraiment dans les profonds des problèmes de la Bible. Donc on trouve, chacun trouve son compte, chacun trouve, parce que quand il parle, j'ai l'impression qu'il parle pour moi, comme s'il connaissait ma vie depuis ma naissance. Alors je crois que je ne suis pas la seule dans ces cas. Il y en a des centaines, des milliers de personnes qui cherchent une porte de sortie dans les problèmes. Et bien, je crois que la porte de sortie, elle est ici, avec les prières des frères Eloge. Parce qu'à un certain moment, j'avais oublié que j'étais africaine. Parce que dans nos familles africaines, il y a toujours des problèmes. On a toujours des problèmes, des blocages et des fétiches qui, quand on était petite, on ne savait pas. Mais avec la prière, quand les frères Eloge parlent, on se dit, mais j'ai vécu ça quand j'étais petite. Oh, à un certain moment de ma vie, oui, j'entendais les parents parler de ça. Oh, la famille, ils ont fait des réunions, ils parlaient de ça. Moi-même, j'ai attendu, je me souviens maintenant, il y avait un... je ne sais pas, j'ai attendu une prière des frères Eloge et parlait de ça, les réunions de famille. Je me suis rappelé, je dis, ah, je me souviens, il y a des années, j'étais encore jeune, petite fille, je devais avoir peut-être 15 ou 16 ans, il y avait des réunions et il parlait de moi. Et c'est maintenant que je me rappelle de tout ça, mais ce n'est pas possible. Et alors, quand on marche sans Christ, sans Jésus, on ne se rend pas compte de tout ça. On croit que c'est normal. Quand la vie ne va pas bien, on croit que c'est normal. Quand les choses ne marchent pas, on croit que c'est normal. On n'a pas un bon boulot, on croit que c'est normal. On n'a pas une bonne santé, on croit que c'est normal. Parce que le diable, il fait tout pour mettre une espèce de voile ou de barrière pour que tu ne puisses pas rendre compte de tes problèmes. Je vous invite tous pour venir au prochain rendez-vous à Paris. Je ne sais pas où ça va être, mais quand il va annoncer ça, venez. Venez s'il vous plaît, parce que vous allez trouver, vous allez être bénis, vous allez être délivrés. Vous allez être, parce que je ne suis pas la seule, la première personne ou la dernière qui parle de ça. Voilà, venez. Je vous recommande à 200%. Bonjour. Je m'appelle Juliette, voilà, Mélise ou Juliette, voilà. Voilà, pendant ces 4 jours, voilà, j'ai été bénie. Le rendez-vous à Paris, oh là là,
C'était vraiment puissant, c'était fort. Dieu était présent dans la salle, le Saint-Esprit était présent dans la salle. Voilà. Je reviendrai au rendez-vous à Paris encore, mais vous avez parlé de Belgique, frère Éloge, j'irai en Belgique. Je vais vous suivre, ça. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Amen. Shalom tout le monde. Rendez-vous à Paris, c'était magnifique, c'était merveilleux, j'ai adoré. Je vous conseille de venir la prochaine fois voir notre frère Éloge faire son show. C'était magnifique.